Mbote bandeko balandi ya les avertis bisikanyo sobozali kola pambola bino pona tanyo stoko pas na bino ensemble tolobi le loto sala susu une autre vidéo kola ope sa biso tan azope sa biso makasi azope sa biso n'est pas ma message ya comme ça pas na bino puisque le but ici c'est pour qu'une personne soit réellement sauvée et aussi qu'une personne soit réellement encouragée par ces messages qu'ils sont en train de faire chaque fois. On a mis un peu de temps. Il y a un peu de temps qui est passé dans le monde de la vie, abattre la vie afin que tout un esprit m'encore. Il y a un message qui est en train de comprendre le message. Après avoir compris ce message, on fait passer le message et pas battre le message. Le message est que les canaux deux chaînes, c'est-à-dire que les canaux les avertis comme d'habitude. Et puis, il y a quelques messages avant de découvrir la chaîne de Moussoussou. Il y a tout le monde pour les canaux Soukounaté. Donc, exclusivement, le message est que les canaux d'abord, on a Bosolo TV, on a Kinshasa. Ça et puis Egoleka na les avertis comme d'habitude nzamba za na biso asunga biso afin que moment où nous to passer et le moment moko ya malamu oyo boko zala vraiment béni par la grâce de Dieu je le crois titre moment nous te lobi boy comment savoir double point que tu es né de nouveau nazo tout na yo question yo zo landanga lo baka o kenda ka église o sambela ka o botem na famille chrétienne depuis au kola o sambela ka toujours o ratana no dimanche moko te na église depuis que kola do papa na yo za pasteur maman na yo pasteur kuti bonzame na kati andaku oui eza bien mais question to tuni comment savoir comment peux-tu yo moko ko yeba so ki ozali né de nouveau puisque il ne suffit pas seulement de dire que je suis chrétien ou je suis chrétienne ou je suis disciple, mais il faudrait aussi que yeba yo moko na kati na yo en faisant ce qu'on appelle l'examen de conscience ko yeba so ki lelo okufi. Est-ce que ko hérité le royaume de Dieu? Est-ce que tu es déjà sauvé ou bien ça kaka que ezali culture née de terre kambala sima que comme le ko lelo mo culturel que comme to botami na côté chrétien, c'est-à-dire so ko botami d'office aux chrétiens, so ko botami na côté musulmane, so qui au botami d'office ali musulman, so ko botami côté ba bouddhiste donc d'office aux bouddhistes non, c'est-à-dire awa to ligne vraiment ezala clair que mutunyo so zolandanga lobi kaza mo na Nzambe, assemble la ka Nzambe, yo o petre linga maman Nzambe te, c'est pas grave. Okoy ko zapper, c'est pas grave surtout bateau ba landa biso na Bosolo TV puisque kuna na ebi que ezali be Michel et Kaka ya bandenge belé, mais o basana ba na les avertis bo yebi que awa nous prêchons l'évangile, tout est à l'évangile de notre maître Yeshua. Mais ceux qui bateau ba landa na chaîne mususu et que ba moni ki baza peut-être dérangé par rapport à thème, ezo ko cadrer na makambango ba lingite bo ko zapper, c'est pas grave o ba ko landa puisque de toute façon la moisson est grande mais ya peu d'ouvriers et puis aussi Nzambe a ko sala grâce que mutmoko a ko bika ceux qui moko a biki pour nanga c'est déjà intéressant. Voilà, donc na bandeli question na lobi comment savoir double point que tu es né de nouveau esa question to tuni yo ozolandangaye. D'abord il faut koyeba tant ozo ba naître de nouveau ici nous voyons le concept nouvelle naissance. OK, nouvelle naissance. D'abord, il faut d'abord que yeba nouvelle naissance ezali nini puisque je crois que mout oyo a yebi nouvelle naissance té déjà ezali déjà moi quoique puisque à partir à wana okoyeba déjà que ce ko yebi lo ko ngote c'est que osa yangote, c'est-à-dire quand tu n'es pas né de nouveau soit quand tu ne connais pas la nouvelle naissance ce que ça ko laksa nini, il se peut que tu n'es pas né de nouveau, mais il se peut aussi que il se pourra aussi que au botami yasika mais yomoko ebi ko définir en tu peux sa définition moko simple. Donc ça dit être né de nouveau, c'est la transformation moko spirituelle personnelle. Bon souligner moi na personnel, c'est très important place wana pour ngonde toza ko le papa pour question na biso to lobi que comment yoko yeba ko za né de nouveau. Il y en a lobi que naître de nouveau, ça dit une nouvelle naissance, c'est la une transformation spirituelle personnel, la vie avec Yeshua ou la vie avec Jésus. Sans la bandeli, la nouvelle naissance, c'est une transformation spirituelle. Une transformation spirituelle, mais
personnel, c'est-à-dire yo ozo kangai souligner moi na personnel. Donc kaka toloba ka bi Bible lobi le salut est individuel et to bi que mutsoka botami abota makaye moko akufaka paye moko ata beaucoup fi batu beaucoup fi nzela moko mais chaque muta okene na nzela na, c'est-à-dire le salut est individuel, le jugement sera individuel, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il faut voir aussi par rapport à la nouvelle naissance. Une nouvelle naissance c'est quelque chose au fait de donc la transformation d'une personne, donc personnellement, yomoko, donc ça transformé spirituellement et au décider qu'on vivre ou bien qu'on vivre, qu'on marcher, je vais dire, avec Yeshua, Otobengi, Jésus. C'est-à-dire, Ezali, par rapport à l'histoire, Otobi, na Jean 3:3, ou Nicodème, celui qui était, n'est-ce pas, les docteurs de la loi, qui vers le Messie, pendant que tout n'aille, comment faire pour éviter le royaume des cieux. La question était tellement capitale à l'époque, et aussi la réponse était au début un peu ambigu, ou bien qui clarté par rapport à la réponse au Yeshua Pesa qui est, qu'il faudrait naître de nouveau, il y a un component qui est en côté. Alors je pense que Bissoloto comprend que naître de nouveau, Ezali, une transformation donc spirituel, personnel, c'est-à-dire ils ont le quoi mutuba longoli casé judiciaire, ils ont le quoi mutuba ba changer ADN, ils ont le quoi mutuba donc ba pécier une nouvelle identité. C'est ça en fait la nouvelle naissance. Autant en histoire na Jean 3:3 ndé na choloba. Donc ça dit c'est à toi maintenant aux olandangai ya ko sala maintenant c'est qu'on a appelé la rétrospection, l'examen de conscience ko yeba. Est-ce que es-tu réellement né de nouveau? C'est ça, c'est que tu dois réellement yomoko komi tout na peko tala. Maintenant ngana ko edo toujours comme tout ça la rango, na ko pesa quelques points, quelques points o ko sala ke yomoko tala. Est-ce que point na soko kouté nango te, c'est que quelque part ta vie ou ta nouvelle naissance, il faut yomoko tcha on a doute. OK? Point na ko pesa yo, il a sûrement pas nyonso, mais na ko pesa point aux ali capital o ku ko tanga o moni yomoko sali examen de conscience, o sali auto bengi balance o tali est-ce que makambo yo frère azoloba? Est-ce que ngai na zo kuta nango? Ce que kuta na makambo na zoloba, c'est que tu es né de nouveau d'abord par rapport à la compréhension de tout loba, c'est que tu es déjà transformé. Puisque awa, ce n'est pas que une personne te dise que andeko bongo manon, il faut yomoko milobela puisque la conscience ezali yo na nzambe batumi balewana, la conscience ya yo na nzambe, ça dit yo na nzambe, il y a pas une autre personne qui peut, n'est-ce pas, convaincre ou bien koloba que oui mutwa na ebi abotama, donc abotama ya sika. Non, c'est à toi de connaître et surtout c'est à Dieu, n'est-ce pas, d'attester que tu es né de nouveau, puisque la Bible dit que nul ne vient au père ni ne vient plutôt à moi si le père ne l'attire, ça dit mutwa ko bongo la moté manamakas na été, c'est Dieu au fait qui nous donne cette grâce, n'est-ce pas, de devenir enfant de Dieu. Alors, tant que nous avons dit 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 comme d'habitude, nous avons dit contact nous avons dit que voilà. D'abord, pour nous avons dit que il faut au moins avoir le fruit de l'esprit dans la carte. Puisqu'après avoir été né de nouveau, il faut au baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire il faudrait que dans le lobby ceux qui ont changé identité, il faut identité sikae kota na katinayo, il faut son lobby qui ont changé changer ADN, ce que ADN a sikae kota na katinayo et bongi aurait marqué changement na katinayo spirituellement. Comme to lobby que la nouvelle naissance kobota ma sika, c'est une transformation spirituelle personnel. C'est-à-dire, yomoko zolandangai, au mitale monique, vraiment, ma kambouni na komi ko sala ya sika, on na ko sala ya kalate. Puisque je parlais ici, il y a ADN, je parlais ici d'une nouvelle identité, je parlais ici d'une nouvelle personne, d'un nouveau homme ou bien d'une nouvelle femme. C'est-à-dire, ebongi yomoko, o tala siko, ba point o nazo pesa, par rapport, ya koyeba, ce qui, o botama ya sika, ou bien tu es né de nouveau.
Nabi, il y a quelques points, par exemple, point, il y a fruit de l'esprit, par exemple. Puisque lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, on sous-entend que le Saint-Esprit viendra dans ta vie pour changer, n'est-ce pas, la façon de vivre, pour te donner une autre forme, pour te donner une autre force, pour te donner des enseignements par rapport à marche, mais par rapport à ce que le Seigneur veut. Puisque ce qui est comme moi dans Nzambe, ou comme na bizaleli en Nzambe, tu comme on plus tard par rapport à amour par exemple, celui qui est né de Dieu et donc a l'amour en lui, d'où celui qui est aussi né de Dieu doit avoir l'esprit de Dieu en lui. Tu peux pas être né de Dieu sans pourtant avoir son esprit donc en toi. Ça dit awa, c'est la question, il y a ADN. Ça dit tant même que tu deviens une nouvelle créature, bien une nouvelle création. Et nous avons vraiment que nous mutoa kalaza les sous-souté. Celui-là qui vient maintenant na katabo moinayo est comme le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous verrez une personne comme Paul. Paul, c'est lui qui est en moi et plus fort. C'est-à-dire, ce n'est pas lui, c'est au fait la force de Dieu qui était en lui. C'est comme ça aussi que ceux qui m'ont mis à Sika, ont fruit de l'esprit, ont été dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23. N'attendons rapidement, ils ont dit, ils amour, ils ont dit, c'est-à-dire, je veux dire ça en français, c'est mieux. Tu auras l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. Ce qu'on a dans Babiloko, oyo, na kati na yo te, osan amour te, osan la joie te, osan la paix te, osan la patience te, osan la bonté te, osan la bienveillance te, osan la foi te, osan la maîtrise de soi te, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Puisque ce sont là des éléments qui prouvent. Ce sont là des choses au yomoko komuna que la transformation spirituelle s'est opérée en moi personnellement. Maintenant, une personne me posera la question. Mais est-ce que si j'ai d'autres éléments que tu as cités et je n'ai pas d'autres éléments que tu as cités? Oui, je peux comprendre. Et quoi que ça là que peut-être tu as l'amour, tu as la joie, tu as la paix, mais tu n'es pas patient. Tu as la bonté, mais tu n'as pas la maîtrise de soi. Et quand vous avez la bongo, na ka o sikoyo et comme isko grâce à Nzambe, pe ko senga mawana ye likona yo. Il faut dire à Dieu que je veux marcher comme tu veux que je marche. Je veux vivre comme tu veux que je vive. Je veux être l'homme à l'image créée par Dieu. Je veux être l'ambassadeur du Christ. Je veux être le bon disciple. Je veux être vraiment le vrai disciple. La Bible nous dira que un vrai disciple, le disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire, il faut singa suko mawana nzambe na biloko ezangio. Voilà to benga ngosko comme un cadre de croissance spirituelle. Une personne qui commence par A azo kende malembe, to mono même na kati ya histoire ya ba apôtre, bien que il y avait d'autres choses qu'il faisait avant le Saint-Esprit. Mais après le Saint-Esprit, il y a eu aussi des moments pendant que kenon malembe to mona qui par exemple incompréhension kota qui entre, je vais dire Pierre na Paul. Tout le monde a dit après le Saint-Esprit, il y avait des choses aussi que Pierre cachait. Alors ça a cessé, que y a moi, ça n'a pas tout, n'a pas bien la boutou, il y a tout ça là, n'est-ce pas semblant. Voilà ça, tu veux dire, croissance spirituelle, c'est-à-dire, moutou, alors qu'il y a vers la perfection, tu n'as encore un niveau que, comment dire, ombre, n'est-ce pas, comme guérir, tu n'as pas vraiment un niveau, et comment qui est un niveau à l'écolo. Bref, ah ouais, écoute, regarde le bac, non. Ce qu'on s'en a pas élément haut dans Tangi, mais sous ces angles, moi comme il balaye, mais ça tout, c'est la grâce, c'est la grâce à Nzambe, ngolo Nzambe salao, de façon que biloko les angio et kokisama nakatebo moinayo pose vraiment un disciple accompli. Donc, il y a un point sous rapidement, Tolobi, il faut avoir cette transformation personnelle dont je parlais au début d'abord, que la nouvelle naissance, c'est une transformation spirituelle personnelle. Maintenant, la transformation, awa, ils allaient dans le cadre à vraiment, comme je venais de le dire déjà, une nouvelle créature, une nouvelle création selon 2 Corinthiens 5, 17, par rapport à la transformation, il y a un bon gomma vraiment, ce qui m'a dit à Sika. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ceci, que
Donc, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes, plutôt, sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, donc, on est important. Il y a quoi que mutoza qui na kindumba, ce que comme moi na nzambe, et que kindumba zakaka, ou bien comme moi na nzambe, moïbe zakaka, comme moi na nzambe, koine zakaka, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Et ça, bah, élément, titre lobby, comment savoir que tu es né de nouveau. Et ça, on a appelé ça, vraiment, bah, astuce pour yo moko ça, l'examen de conscience. Donc, il y a un troisième point, bah, la moko, ton lobby. Avoir l'amour du prochain. Écoutez, tantôt tanga ba fruit de l'esprit na Galates 5, to moni que amour est en premier plan. L'amour ici vraiment est un élément majeur pour na moi na nzambe zo landangai. L'amour aussi c'est ça élément majeur même pour l'humanité. Si l'humanité connaît beaucoup de problèmes aujourd'hui, puisque baza na bolingoté, bolingo ezana katia ba yakatia batuté entre ba peuple, entre ba famille, entre ba camarades, entre ba ba collaborateurs, il y a pas l'amour. S'il y a pas d'amour, on peut pas avancer. S'il y a pas d'amour, on peut pas réussir. C'est-à-dire l'amour ici, c'est comme une base de pour atteindre de bons objectifs dans Katia Bomoyamutu. Mais ce qu'on n'est pas un Zambé, l'amour, c'est vraiment au centre. Même par notre création, Dieu nous a créés par amour. Personne d'entre nous a demandé à son père ou à sa mère, donc à botaye, mutumoko tatuna. Mais c'est par amour que papa nona maman na yo, ba botayo. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que si quelqu'un, maintenant, veut savoir qu'il est réellement né de nouveau, il faut avoir l'amour du prochain. 1 Jean chapitre 4 verset 7 nous dit « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » C'est-à-dire, celui qui n'a pas l'amour n'est pas né de Dieu, ne connaît pas Dieu. Or, pour être réellement appelé enfant de Dieu, il faut naître de Dieu. Or, pour dire que je suis passé par la nouvelle naissance, il faut renaître de Dieu. Donc, celui qui n'a pas l'amour, il n'a jamais connu ni la nouvelle naissance, il n'a jamais connu ni Dieu lui-même. Ok? C'est très important. Donc, on développe rapidement. Donc, il faut confesser Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Confesser Jésus, confesser Yeshua na bomo inayo. C'est-à-dire, écoutez, Romains 10, 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est-à-dire, déjà, quelqu'un au Abotami Asika, il est d'office sauvé. On peut, naba terme mususu balobaka, soit une personne est née de nouveau ou une personne est sauvée. Ok? C'est-à-dire, c'est la même signification. Donc, c'est-à-dire, ce qui yo au confessé le nom de Yeshua nabo moinayote, namunoko nayote, kaka jour morte, mais chaque fois. C'est-à-dire, quand tu vis, tant aux autres que Tambola, tant aux autres que Salamakambu, tant aux autres que Bimalibanda, tant aux autres que Salamusala, il faut combattre Yeshua et Zana Munokonayo, le Kola Mosunginayo. Il faut namote malayo croire nayango. Ne dis pas des choses puisque les gens veulent voir, ou bien Bayokayo, mais dis des choses par rapport puisque tu confesses ce qui vient de ton cœur. C'est-à-dire confesser réellement Yeshua comme Seigneur et Sauveur de sa vie. À toi que. Je m'adresse à toi, Ozolandangai, puisque nous parlons ici de la nouvelle naissance qui consiste à être une transformation spirituelle personnelle. Donc, c'est à toi que je parle. Donc, il y a un peu de foi. La foi, vraiment, c'est aussi quelque chose de plus grand. Avoir la foi, c'est vraiment, c'est la première partie même. Il y a avant même Ondima, il faut d'abord Oyoka et puis Ondima. Mais ce qui est sur Ondimi est que tu as cette foi.
Ça veut dire que au komi maintenant nakati ya système ya Nzambe, puisque sans la foi tu peux pas croire mambo na zoloba, sans la foi tu peux même pas croire que Yeshua a existé, sans la foi tu peux même pas croire qu'après la mort il y a une autre vie, sans la foi tu peux même pas croire qu'il se peut que le lobby enlèvement et salement, sans la foi tu es comme quelqu'un qui ne croit en rien, comme d'autres gens ne croient ni en Dieu ni au diable. Baza bato batelemi bongo, baza ko croire ne loko mon côté. Maintenant écoutez, Jacques 2, 17 lobby. Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Maintenant, cette foi ici, ce n'est pas la foi de dire que je crois, mais c'est cette foi qui dépasse le niveau et la théorie. C'est vraiment une foi qu'on appelle la foi active. Tu crois et tu fais. Tu crois et tu dis. Tu crois et tu agis. C'est-à-dire une foi vraiment active. Et bon, il y a des choses. Rapidement, ton lobby. Reconnaître ses péchés et se repentir. Celui qui est né de nouveau, la Bible nous dit quelque part que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Écoutez, une personne vivante dans la chair humaine ne peut pas se dire que Ngaï n'a qu'ça à l'issoumouté, n'a ça à l'issoumouté. Somme-toi, bon à aussi. Puisque la même Bible dit aussi, celui qui dit qu'il ne connaît pas de péché, c'est un menteur. Pas seulement c'est un menteur, il fait des dieux menteurs. Donc ça dit, ce qui te sort à ma soumouté, ce n'est pas dans ma caisse, c'est au fait, Nzambe appelle ça à l'issou dégoût. Il y a l'eau qu'on a eu ça là. Apecio, ça dit, Nzambe appelle sa capacité à résister. Nzambe appelle sa pour ça à l'ingé tellement que, au moment où on a sali ma bé, on a comment vraiment un conflit dans Nzambe. Donc, il se peut que au coin na lisumu moko boye, il faut que on reconnaître que ça lisumu et puis au senga bolimbi se pa Nzambe, c'est-à-dire au se repentir. Parce que ce que se repentir te moyen au plaire na Nzambe ko zala te au fait, tu vois. Et c'est pourquoi je te dis à toi qui m'écoutes en ce moment. Peu importe ce que tu as fait pendant toute la journée. Ko lala jamais au kangi misu na yo sans pour autant que ça la haute bengi revue ya vie, donc ya journée donc mobimba, et puis na souka tu fais une prière de repentance, même si tu te rappelles pas d'avoir fait quelque chose de mal, mais comme ça que dans autres oyo ça peut être makanisina yo ou bien malobana peut être zokisa ki mutsang ke oyeba, c'est-à-dire il faut toujours avant même de te coucher, avant de dormir, faire la rétrospection et prier pour demander pardon à Dieu, de façon que son sang puisse te purifier et effacer, n'est-ce pas, donc ton péché. Quand je dis effacer ici, il faut comprendre que Yeshua a ôté le péché majeur qui nous condamnait, le péché qui nous séparait de Dieu. Maintenant, il y a tout bas ma soumouana mike mike wana, donc Zaba Longola, Yeshua Longola, Mbala Moko Boye, surtout dans l'Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 19, le dit que repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ok? Nzambe alimbisa mabena biso a effacé kango lokola ne te effacé ka tableau ce qui m'ont commis na créé. Donc vraiment je pense que message au Jésus place na mitema na bino. To sa makambo pourquoi? To lingi yo ozanda biso o comme on a dimension à comprendre que la vie éternelle ezali acquise. Oui, ezali acquise, oui, mais il faut que le chemin est encore long. Tant que ozana na bon moi, le diable ne te laissera pas. Donc tranquille, à Koluka, à Luka Banzelani, à Koko Baby Sayo. Na sengi na yo, oki, makambo to lobi. Sala examen de conscience. Soko monike makambo mingi na katiwana, ezangio, senga ngolu na Nzambe, senga mwa na Nzambe, asala o grâce o comprendre makambo de façon que o koma vraiment disciple accompli. Mal na suki wana pona lelo. Soko zana ma question, kobo sana te, ni toloba ki toujours, tu na biso yango, toza toujours wana pona kwe debino, po biso. Mission absolue ali que nous tous voyons nous ali tout coûte en sonnant colonna yo et puis tout ça l'angoté que pour tout gagner le comme on a quatre nabino mais tout ça l'angoté pour ça mission on s'en va pécibiso pour tout gagner bino pour naier
mut o nanu azui peut-être grâce wana te koeba vie ya bonzambete soza ba question sur cela tourna biso tozanga te ko aider partout place aux alliés bandeko basa na ba États-Unis ou basa na Europe ou basa na Afrique soko bien na Asie même soko landi message oyo eza hasardé puisque sud na lobi kezo leka awa pe na kati ya bosolo TV donc ko sunga mut nyoso peut-être ali na kati audience na biso te les avertis ou basa les banda donc de temps en temps beaucoup monde en Zonga peut-être une fois par mois dès quand ça va au Zonga biso na kati ya chaîne Oya Bosolo TV mais entre-temps émission aux leka na les avertis donc place Oyo tout ça la émission presque chaque week-end ou chaque semaine que le Seigneur vous bénisse abondamment soyez moi dans la paix de notre Seigneur Yeshua et que le Seigneur puisse toucher vos cœurs pour continuer kolinga nzambe pour continuer ko salena bosolo soyez bénis au nom de Yeshua shalom.